Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger. Je vous ai compris. Vous avez changé la notion d'espace. Car Internet non seulement abolit la distance qui sépare les hommes, mais il ouvre un monde virtuel qui est par définition sans limite. Macron a perdu une bataille, mais la peur n'a pas perdu la guerre. Il résulte de ces conditions que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de personnes qui se disent être des hackers comme les Anonymous. Il est de notre devoir de protéger les citoyens, les entreprises ainsi que l'État français. Nous mènerons une guerre sans merci contre ces clowns et nous dévoilerons leurs réelles identités aux services de renseignement français. Nous prêtons serment de surveiller les entreprises françaises et les infrastructures critiques contre toute tentative d'intrusion.